Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler non pas d'un jeu, mais d'un bundle. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus important qu'un jeu. Donc, c'est un ensemble de jeux qui a été fait par itch.io, qui est une société qui programme des jeux venant de tout le monde. Donc, tout le monde peut produire un jeu. Et alors, comme il y a le truc pour l'instant du racisme en Amérique, il y a un bundle qui a été lancé il y a 8 jours d'ici pour récolter de l'argent pour financer des projets antiracistes. Et alors là-dessus, il y a plusieurs programmeurs qui ont été d'accord de le faire. Et pour l'instant, on est à 1635, je crois que j'ai vu à l'instant. Donc c'est un petit bundle qui coûte 5 euros si vous voulez mettre que 5 euros. Et nous allons voir ici le lancement d'un petit jeu qui est, d'après ce qui est marqué, donc je ne connais même pas du tout, un jeu de plateforme développé pour la NES, maintenant pour le PC, une ROM inclus. On va voir ça tout de suite. Donc voilà, donc quand vous avez acheté le bundle, vous faites ceci. Alors, vous avez plusieurs installations, et on va regarder. Donc, vous avez micro-installeur, portable, manuel et la ROM. C'est tout à fait. Je connaissais pas du tout. Donc, on installe. Je vais prendre ceci aussi, la ROM, parce que si je n'ai pas la ROM, ça va pas bien aller. Alors, hop. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne l'installation. J'ai installé l'exécutable itch.io ici. On va aller voir maintenant, voir si il tient compte de ce que je viens de lancer ou pas. On va voir ça. Sinon, il faudra aller directement dans la racine où se trouve le programme et l'extraire. On va voir ce que ça donne. Donc c'est la première fois que j'utilise ce genre d'installation que je connais pas. J'avais installé un jeu qui était déjà sur ma collection. Mais ici, le jeu n'est pas dans ma collection et je l'installe via un système extérieur. Mais comme j'ai fait addition game collection, peut-être que lui tient compte de ce que je viens de faire. On va voir ça. Donc c'est du test brut, hein, donc je connais pas, on verra bien. Donc ça dure encore un jour et puis c'est fini. Donc pour ceux que ça intéresse, il faut aller vraiment très vite, hein, parce que ça ne va pas traîner. Il dit finalisation. Voilà, donc là. Moi. Alors. On va le laisser un peu tranquillos. On voit ce que ça donne. Alors, d'abord, je vais avoir tout. Ici, je peux, mais je vais d'abord regarder la bibliothèque. Voilà. Donc, j'ai additionné à ma bibliothèque. Ouvrir page.
qui dit que ça coûte 5 euros. Donc ici, vous avez... Hop, on va remettre à sa place. Donc on va revenir en arrière. Pardon. Donc ça, c'est le premier jeu que j'ai installé. Un bundle. Voilà, ça c'est le... Voilà, d'autres l'autre ici. Voilà. Donc, next page. Donc il fallait venir directement ici, tout simplement. Quand on ne sait pas, donc d'installer le programme qui sert de d'interface pour itch.io et puis c'est tout. Bon, c'est plus simple comme ça, on se casse les pieds pour rien. Donc ici, je l'ai installé. Et voilà. Donc ici. Bon, alors on va faire l'installation manuelle, alors, puisque pas l'air de vouloir s'installer. J'ai peut-être pris le jeu qui était aussi. Donc, hop, on va prendre un autre. Donc voilà, ici ça n'a pas bien voulu fonctionner, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va aller voir plus loin. Donc, ici, on est dans le bundle. Hein. Ça arrive, hein, c'est du live. Il dit que c'est le premier first person destructif OOS 4 Simulator. Mm-hmm. Pourquoi pas? Normalement, celui-ci, comme il a l'air d'être plus gros, ça devrait fonctionner. Hein. Voilà. Voilà. On va voir l'installation, que ça donne. C'est pour moi le pack le plus révolutionnaire en bundle qu'on a eu depuis 20 ans. Donc pour 5 euros, vous avez l'équivalent
quand même de 1635 jeux. Hein. Même si c'est des jeux indépendants, c'est quand même des jeux qui sont quand même pas mal. Hein. Donc, j'espère que il va un peu accélérer au delà de Longding. Est-ce que je sais pas, est-ce que c'est le dimanche, il est un peu plus lent. Mais donc il y a plusieurs plateformes. Hein. Donc ici, par exemple, le jeu, il fonctionne avec Windows. Vous avez une partie Mac aussi. Donc sur mon Mac, s'est installé aussi. Voilà. Maintenant, il va être passé à 3 mégas par seconde, donc c'est le début, il est un peu lent pour démarrer, et puis après il prend sa vitesse. Hein. Donc il faut quand même avoir une petite connexion pour une petite, hein, parce que c'est quand même que un programme de 260 mégas, donc c'est pas un programme monstrueux. Hein. Voilà. Ici, il est en train de le faire. Donc comme je vous disais, donc par exemple, pour le Mac, il y a pour les deux versions. Hein. Il y a la version pour les anciens Mac et les nouveaux Mac, hein. Donc Mac 64 bits. Par exemple, moi qui ai un nouveau Mac, bah, je suis obligé de mettre cette version-là, Mac 64 bits. Hein. Si vous mettez l'autre version, le jeu ne fonctionnera pas du tout. Alors, vous avez aussi pour Linux, comme vous voyez. Donc, vous avez vraiment... Alors, vous avez même la possibilité de jouer ce jeu-là en VR. Et normalement, ce jeu-là, à lui tout seul, coûte dans les... Je sais pas moi... 10-15 euros peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, mais... C'est à peu près les prix où... Même le minimum, c'est 5 euros. Donc ici, rien que le fait d'installer deux jeux, ben, vous êtes déjà gagnant. Ce qui est le cas pour moi pour l'instant, puisque j'ai déjà installé un jeu. Et celui-ci, c'est le deuxième. Donc, une fois que l'installation sera faite, on peut le lancer directement via ce launcher spécifique à Itch.io. Donc, c'est eux qui ont conçu ce programme. Vous savez le télécharger sur la page, même sur... le site, on va laisser faire un peu. Il reste un jour pour l'acheter, donc il faut pas traîner. Hein. Faut... C'est le truc, je veux dire, c'est faites deux actions, ou faites pour le racisme, contre le racisme, ce qui est déjà pas mal. Hein. Et alors, l'autre avantage, c'est vous allez avoir à ce moment-là, ben voilà. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Désolé, mais comme c'est du vrai live, je voulais vous montrer en temps réel l'installation d'un jeu. Voilà. Donc ici, vous avez tout le jeu qui est mis en place. Donc on va regarder simplement la collection. Voilà. Vous avez vos statistiques. Que vous avez achevé, 4 training complètes, les objets que vous avez détruits, certainement les photos quand vous réussissez à tout détruire. Certains jeux sont en anglais, d'autres sont en français aussi, hein, donc c'est pas tous en anglais. Et alors vous avez les options, vous avez réglé aussi l'audiovisuel. Donc là je suis en full screen. Musique, tout ça, donc vous pouvez augmenter le son, je vais le faire, mettre plus de son. Vous montrer le tutoriel. Donc précipitez-vous à acheter le bundle Itch.io, il ne reste plus qu'un jour, aujourd'hui et peut-être demain aussi, ou seulement que demain, je ne sais pas. Pour l'instant, ils sont, je viens de voir, hein, 1635 jeux pour 5 euros, donc vous avez alors les commandes,
les mouvements, le jump, space. Donc c'est un jeu qui joue au clavier. Hein. Donc je ne vais pas le faire parce que... je n'ai pas la place pour jouer avec une caméra. Hein. Voilà, je quitte. Donc, ça... mes téléchargements. Voilà. Donc vous avez ici peut-être que j'ai lancé ce qu'il ne fallait pas. Donc vous voyez ici j'ai lancé la ROM, le manuel, et c'est normal que ça ne fonctionne pas puisque il faut lancer le jeu lui-même. Hein. Voilà. Je vais vous lancer le jeu que j'ai lancé hier pour tester. Donc il va lancer des qui sera en fonction Skyroy en cours d'exécution. C'est un jeu qui lui est en français, qui est pas mal du tout. Donc vous êtes un vaisseau dans le ciel plutôt, on va dire. Et alors vous devez lancer des missiles contre d'autres adversaires. C'est une vidéo qui sera un peu plus longue que les autres, mais... donc celui-ci se joue, non pas là, au clavier, mais au joystick. Hein. Donc ici, voilà, vous avez donc tout en français. Vous pouvez jouer même à deux. Vous avez le réglage de tout ce que vous pouvez faire. Vidéo, contrôle, musique. Vous pouvez mettre plus fort. Auto-target. Caméra, la bombe, la langue. Donc une fois que vous avez tout, vous me faites OK, vous avez les crédits. Mais je vais vous montrer le départ du jeu et après je vous laisserai les amis. Donc c'est le bundle à absolument acheter. Voilà, c'est un peu laborieux pour le lancement de l'explication, donc ça coûte que 5 €, vous pouvez mettre 10 €, 20 € comme vous avez envie. Hier j'étais à 1332 jeux quand je l'ai acquis, la licence Bundle, et maintenant ils sont passés à 1635 ou 40 depuis que j'ai discuté, donc ça va très vite. Hein. Donc c'est un truc monstrueux pour 5 €. Hein. Si vous avez un Mac par exemple, vous pouvez acheter que ça et vous avez à ce moment-là la possibilité de jouer pendant des semaines complètes avec plein de jeux pour 5 €, hein, sans devoir payer une licence mensuelle ou un truc comme ça, parce qu'il y a des jeux qui sont super intéressants. Il faut découvrir par vous-même, hein. Il y a tellement de possibilités qu'évidemment... moi, je vous ai montré que deux jeux, mais il y en a plus que ça. Voilà, je suis déjà pris dans le jeu, alors que je ne dois pas être pris dans le jeu pour pouvoir vous parler. Et voilà. Donc, c'est vraiment le bundle révolutionnaire, celui du siècle,
celui qui ne sera plus jamais peut-être fait. Donc vous n'avez plus qu'un jour à l'acheter. Alors achetez-le les potes, faites plaisir contre le racisme et faites-vous plaisir vous-même. Là-dessus, je vous souhaite un gros bisou et passez un bon week-end. Et allez-y, foncez, achetez.